Mercredi 20 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, gros doute plané sous présentation officielle avec installation conseil présidentiel CARICOM pendant organisation régionale là, continue avec des machos. Yo fait qu'on est dans Joukab Vini là, yo t'a doué gagner conseil si là qui installé dans le palais national pendant que acteurs yo vraiment déjà voyé non monde qui pour ta al représenter yo mais jouk moment n'a parlé là gain gros doute sous composition officielle si là pendant gain acteur qui commençait à voyer pied sous question une série choix que yo même yo fait par exemple parti politique aidé qui t'est choisi ancienne ministre à la condition féminine qui c'est et bien Marie Ghislaine mon premier dans moment n'a parlé à li pa nan conseil là encore c'est Dominique Dupuis lui-même qui représentait Haïti dans UNESCO mesdames et messieurs qui t'a dû remplacer madame mon premier qui t'a pral représenter parti politique aidé red à compromis historique dans conseil présidentiel là pendant gagnen un membre qui manquait le parti politique Petite Dessalines t'est décidé pour yo pas voyer monde mais information fait quoi sous demande là ici qui la nation Unis, en dit représentant à la Russie qui est dans les Nations Unies, Moïse Jean-Charles, pour Petite Dessalines, t'a déjà voyé non dans CARICOM, une information qui tombait tant qu'il y a une bombe, eh bien, dossier ça, lui-même, et qu'a fait parler de lui, dans le moment, n'a pas parlé là, mais gros doute là, lui est basé sur qui il est, à qui joue, il t'a dû faire installation, conseil présidentiel ça, et qui côté, il a pral fait, entre temps, divers organisation continue à lever voix dans la rue pour dire yo pas dans question conseil présidentiel ça CARICOM la et promettre là ou encore la prôner là et bien moun sa yo qui prend la rue yo plus a demandé un conseil présidentiel qui gagne 3 membres là dans basé sous accord 5 mars là côté réveil national ak parti Petite Dessalines plus yo te joine environ 200 l'autre signature parti politique qui t'a pral adhéré avec un conseil présidentiel 3 membres eh bien yo t'ai proposé qui gagne là dans Guy Philippe comme président magistrat Durin junior comme membre et madame Françoise et Françoise Saint-Villiers lui-même qui t'ai éparé pour que lui t'ai rentré et nous saluer ici là eh bien une situation qui baille en pile et qui cassé nous-même n'a suivre pas bon ici pour nous connaître qui ça qui pral passer dans jour cap vini là haut entre temps Moïse Jean-Charles qui fait qu'on est y a continué mobiliser et au pral rendre et position on dit au pral rendre et conseil présidentiel ça la vie impossible si toutefois yo même yo ta arrivé installer dans palais national n'a parlé de conseil présidentiel 7 membres CARICOM lui-même la prunia Moïse Jean-Charles qui fait qu'on est li pral rendre conseil présidentiel ça la vie impossible yo pral gagne opposition manche longue qui pas quitter au travail qui pas quitter au fait rien parce que c'est pas inspiration populaire c'est pas demande peuple là qui satisfait vraiment selon Moïse Jean-Charles en tout cas toujours dans même dossier ça nouvelle journée tension dans pays d'Haïti précisément dans communauté dans commune alors Pétionville à Delma gagné en pile coup de balle cap chanté habitants qui dans zone ça obligé à courir quitter la caillou pour éviter eh bien balle pas touché yo n'a parlé de zone comme Mayotte Douko ak en pile l'autre zone qui en dans commune Pétionville là habitants yo vraiment gen quelque cassé pour ça qu'a passé a et une quantité moun déjà perdu la vie yo dans commune Pétionville hier soir pour ouvrir matin là ak balle alors que semaine nan même t'es déjà gagné une fusillade qui t'est faite dans commune si là côté 24 moun pour pipiti t'es perdu la vie hier soir encore selon information déjà environ une dizaine moun perdu la vie dans cadre des autres qui gagnent dans Pétionville attaque violence yo qui pas suspendre taille banda mesdames et messieurs eh bien dans sens ça gagnent
vraiment là, eh bien, démarche qu'a fait pour ta gagner l'armée américaine qui arrive dans le pays d'Haïti. Alors que yon replacé dans l'armée américaine qui c'est Laura, eh bien, Richardson te fait connait Washington pas gain intention voyer soldats en Haïti. Gagné un journal dominicain Licinziario qui révélé matin, les États-Unis à Canada t'a déjà contacté ministère défense Saint-Domingue pour mander yo laisser passer ak matériel et puis personnel, donc soldats qui pral gagner pour rentrer dans pays d'Haïti. Et yo t'a même déjà commencé voyer matériel Saint-Domingue selon journal dominicain ça qui c'est Licinziario qui fait connait mesdames et messieurs et la République dominicaine pral servi yon pont pour que eh bien force internationale ou encore l'armée américaine à Canada ta foulé sol haïtien selon dernière information jeudi mercredi 20 mars 2024 là journal dominicain li révélé n'a parlé de Licinziario li même qui fait révélation si là prince ayo ak pilote pral développé nan VOA créole n'a invité rete avec nous pour développement. Un point cap dominé, actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, suspense l'a continué sous composition officielle avec installation conseil présidentiel transition pendant que CARICOM dit discussion yo a continué. États-Unis ont placé dans l'armée américaine fait qu'on est Washington pas gain plan kounia pour voyer troupes dans le pays d'Haïti qui a fait face à un pile violence gang armée. International 6e déplacement dans la région Moyen-Orient pour ministre affaires étrangères Anthony Blinken qui gain pour objectif entre autres camper détérioration situation humanitaire dans Gaza. Et c'est pour ça, avec l'autre encore, nous pourrons développer pour un rendez-vous info, actualité dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est toujours gangamé qui a fait la pluie et le beau temps en pile violence. Et situation ça, eh bien, la cause que République dominicaine prend plusieurs et décisions, notamment elle prend décision sous frontière et les partager avec République dominicaine et sous frontière que le partager avec pays d'Haïti. Nous avons un envoyé spécial, nous, Jean-Robert Philippe, qui lui-même trouvé en République dominicaine. Jean-Robert Philippe, grand pile décision qui prend, d'après toute nouvelle, et bien, autorité dominicaine qui prend décision par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Ça, ouais, ça, attendez. Effectivement, là, c'est une situation. Pas de aucune amélioration au point de vue de l'opération, par exemple, que l'autorité dominicaine a commencé depuis longtemps en termes de pour opération les déniché haïtiens qui ont venu dans le pays illégalement pour déporter. Donc c'est des centaines de milliers qui sont déjà allés depuis les prisons et du Sabinadel qui prend décision pour continuer avec l'opération et déniché et déporter haïtiens. L'opération ça n'est pas suspendre. Mais dernièrement, dernier incident qui est passé en Haïti, le gouvernement était fermé, ou bien encore le gouvernement dominicain était fermé pour tout le pôle était fermé. Et bien, il y a des Haïtiens qui ont même décidé de retourner la caillou volontairement, parce que Dieu va capter et chasse à l'homme que l'immigration dominicaine a fait contre eux. Donc, moi, ça, j'aime qui décide de retourner contre eux. Et c'est un aspect, j'attends que nous gardions pendant que nous avons fait ce frontière haïtienne dominicaine particulière dans notre d'Arabon et nous avons constaté l'opération a continué et d'après ça, tout le monde qui est dans la zone nord des moins responsables de nous, l'opération a continué et il n'y a aucun signe qui montre que l'opération a la campé. Jean-Robert Philippe, il y a une question de sécurité que vous avez plus sous frontière et République dominicaine partagée avec Haïti, parce que vous dites que grand pile gang dans le pays d'Haïti, vous n'avez pas aimé que les gens bagaillent pour que les gens viennent entrer en République dominicaine. Qui est l'ambiance frontière? Bon, ambiance frontière, vraiment, il y a plus de présence policière même. Et ça, c'est nécessaire sous frontière là. Et nous demandons par exemple un commandant qui est responsable et garnison qui est sur frontière et qui s'est justifié raison toute force sécurité ça ou là. Et bien ça lui pour nous lui dit que c'est pas que augmenter présence. Quand c'est mon qui était là et toujours là, mais c'est seulement qui est plus qu'on qui est actif. Par exemple, il dit nous si qu'il y a deux qui t'as proposé, qui était qu'on nous posait longtemps, mais qu'on y a fait, ils nous posé. Alors, les gens ont dit nous, c'est parce que j'ai une situation, la trouble là, là en Haïti, avec gang armé qui a semé la terre, et bien, ils ont obligé d'ouvrir Géo Plus pour éviter que gang ne vienne pas traverser la carrière, ne vienne pas avoir plus de problèmes que là tout.
Mais yo dit que dernière décision que yo prend pour augmenter mesure vraiment, c'est surtout après prison qui prison qui écrasé et monde qui sauvé. Et ben yo dit que les nèg sauvé nèg qui doit chercher côté qui plus près pour réfugié et yo dit au côté qui près pour eux même, c'est à République dominicaine. Ça va gagner longtemps, le ministre de la Défense dominicaine fait visite frontière et il a annoncé que normalement, il y a augmenté mes sécurités justement pour qu'il y ait pour les têtes. Concernant les Haïtiens qui sont sur l'autre bois, eh bien, ils ont fouillé quand même. Et il y a un agent haïtien qui l'autre bois qui a supervisé pour qu'il n'y ait pas abusé Haïtiens qui sont sur l'autre bois. Eh bien, il dit nous, contrairement à ça, il y a des gens qui ont sorti avec valise dans le gros sac dans le et puis ils ont fait fouille. Et bien, je que les gens ont des armes dans les armes, dans les valises, des munitions, tout. Tout ça fait l'autorité dominicaine. Ils ne parlent pas de responsabilité pour dire que les armes, c'est la caille aux armes qui sont sorties pour entrer en Haïti. Donc, ils prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter ça. Mais les sécurité, vraiment, ou pas capables de camper leur parade. Et sur tout le plateau, il y a des points de vérification. Côté que gendarme dominicain campo li mande pou nou sorti et di garder machine pour le sou pa gen quelque bardol pour pas rentrer entrer et ou pas dû apporter bardol tout aller non l'autre côté surtout avec frontière haïtienne dominicaine. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole la VOA créole en République dominicaine dans le moment que Haïti a vive une situation qui compliquée côté gang armé continuer à simer l'intérêt dans Pétionville, c'était tête en bas. Nous allons rejoindre correspondant nous Massia Dovilme dans un petit moment. Et Nabdi Jean-Robert, merci. Et puis, et l'autre point qui a dominé l'actualité à tout, en avant que nous allons rejoindre gang armé qui a simé l'intérêt, gain Yves Manuel tout qui parlait nous de situation côté que eh ben gampil suspense qui sous question conseil présidentiel de transition hein? Eh ben et nous connaît que d'abord gagne CARICOM qui gagne pour recevoir tout noyo et puis gagne pour passer le bail pour le ministre Ariel Henry mais nous parlons sous gango qui continue à assumer la terre nous parlons au jeune Massia Dovilme depuis Port-au-Prince. Depuis 29 février passé, gang assiégé capitale là. Côté bureau administratif, aéroport, l'hôpital, banque commerciale, sibi attaque groupe civil armé yo k'ap mené yon bataille sans camper contre gouvernement Ariel là. Et Pétionville pa épani en bazak bandi yo. Côté matin mercredi 20 mars 2024 là, nous rivé constater 5 corps sans vie qui est papier dans différents rues dans commune là. Jean-Robert Vincent, yon militant k'ap évolué dans Pétionville, dit c'est monsieur vive ensemble yo k'ap komet zak si là dans commune là. Et vivre ensemble qui kembe Pétionville là k'ap kase Pétionville là. C'est vivre ensemble. Nèg barbecue yo, comprend? Hier soir c'est fête qui fête dans 95, fête dans Monaza, fête dans Bristou, côté au place on bandi, yo chef gang qui le Macandal. Mais jwenn jodi là, mais kembe Pétionville là depuis hier soir pour le matin là, yo vle placer bandi tout côté dans commune, placer chef gang, mais nous-mêmes nous pas prendre la main yo. Pétionville pas péri. Nous-mêmes dans la Pétionville, n'a goumé jusqu'au bout. Nous disons que nous vivons ensemble encore, barbecue. Nous te disons, vous êtes maintenant, nous prenons la virée sous bouche monde qui te mettent dans nous. Mais je ne dis pas, c'est sous bouche peuple qui mette. Nous, Haïti, son gros pays, nous sommes grand peuple. Monsieur, nous sommes bois calé à fond le tourné. Et peu pas ici, nous sommes bois calé. Nous-mêmes, Pétionville pas péri. Nous devons dire, dans le dernier jour, Pétionville est une commune. Les gens sont capables de mener l'activité sans aucune inquiétude. Avant qu'en âge 18 mars 2024, là, qui te pote aller la vie plus passe yon vingtaine femme ak garçon. Kek machin qui te parle ak nous exprime kek asse yon gen pou commune nan. Gen kouri, gen manifestation, men bakon di kon sa. Waron tan de bruit bal, moun ap moun wap leve nan matin, pou jen moun mouri, et lor rive nan machin, jen plize moun la ri blanche. Matin mal la ville, jan mwen an ou ici, te am basse la ville ki ta pou blanche, kon sa la ville gen plus moun ke an ou ici. Donc, vous passe oui, Pétionville a même genre d'autres zones. C'est pour Jean Mouel, là, pas de gens qui sont morts comme ça. Pétionville de Konde Bagay, oui, mais nous pas de vivre Bagay ça. Situation ça, nous pas de vivre. Est-ce que vous pensez que situation ça a fait Pétionville tourner même genre avec la ville? Ah, la ville, puis mal. Parce que matin, moi, je suis en bas la ville. Pour moun moi, je suis là, moi, je suis là. Il était environ midi dans Pétionville, puis précisément zone Bristou. Force de l'audio, tu as croqué Konde avec Bandi, tu as cherché si mes plis la troublaï dans la commune. Là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme, au VOA Créole.
Donc, dans le moment, Gangame continue à abîmer l'intérêt dans le pays d'Haïti et puis précisément dans Port-au-Prince. Il y a un gros responsable dans l'armée américaine qui fait qu'on est que pour le moment, Washington n'a pas un plan pour envoyer des troupes dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire, gain détail. Start with you definitely didn't expect this. Nan yon forum, organisation Atlantic Council organisé pour discuter sous question sécurité, général américain Laura Richardson te répond question sous Haïti. Journaliste magazine politique américain Politico te mandé si États-Unis a considéré voyer militaire en Haïti. Not right now. Not right now. Il dit non, pas qu'unir. The military always continues to plan and be ready for any possible situation. Il ajoutait, l'armée toujours à planifier pour n'importe quelle situation possible. Certainement, ça a passé à Haïti décevant. Donc ça, commandement sud de l'appareil pour faire, c'est assurer une réponse nous faite aux façons humaines face à la crise actuelle là. Certainement, département d'État nous, avec négociations diplomatiques, avec solutions qu'il y a à gérer avec l'autre gouvernement dans Caraïbes là, avec dans la communauté internationale, avec l'ONU tout, nous espérons que les forces aïe ont absolument remporté le succès. We hope that those will absolutely be successful at the end of the day. Journaliste l'a demandé après ça si troupes américaines t'as qu'à faire partie solution internationale pour crise Haïti. They could be at the end of the day. We wouldn't discount that at any time. L'idée c'est une possibilité en fin de compte. Nous pas écarter possibilité ça. Si on connaît sa capacité Haïti, ça nous ouvre une nouvelle voie. Qui donc nous paraît si au cas département d'État avec département de défense nous en demandons nous pour nous faire ça. Department and by our Department of Defense. Département d'État avec la Maison Blanche répété plusieurs fois que l'administration a pas gain intention participer militairement dans force sécurité multinationale qui a comme mission aider police nationale Haïti combattre gangs et puis sécuriser pays. Kenya volontiers pour diriger force là que Nations Unies autorisées et puis contribuer 1000 policiers la donne. Et plusieurs autres pays parmi les Bahamas, Jamaïque et Bénin qui volontiers pour contribuer policiers tout. États-Unis promettent pour contribuer 300 millions de dollars pour appuyer logistique, équipement et services pour pays qui ont contribué à force là. Cependant, il y a un sénateur et député républicain dans le Congrès qui a refusé de décaisser l'argent parce que l'administration Biden n'a pas baillé assez de détails sur force là et il y a un doute sur la possibilité pour le tribunal pays Kenya pas empêcher pays à participer dans les efforts pour sécuriser Haïti. En Haïti, chef gang haïtien Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui représentait le groupement gang Vive Ensemble, menacé pour le combat force là. Nous-mêmes haïtiens, nous avons campé et nous avons gommé contre nous. Nous avons gommé contre nous jusqu'au dernier bout de sang. Et gommé ça, c'est peut-être ça nous sortir. Nous n'avons pas gommé ni Genève, ni GPEP. Nous avons gommé peuple haïtien pour nous garder la dignité pays nous, pour nous sauvegarder. Souveraineté pays nous, à dignité nous gagnons nous-mêmes comme peuple pour nous vivre ça comme nous. Opinion haïtienne en dedans pays d'Haïti, avec la diaspora, dépendamment par rapport avec l'idée pour une force étrangère, ta vienne aider l'État gérer l'insécurité. Gen moun ki kwè situation rive nan un point côté Haïti besoin assistance étranger, tandis que gen lot ki kwè fòk se haïtien ki solutionne problème Haïti. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et pendant que la crise a continué, suspense en tout a continué sous composition officielle avec installation conseil présidentiel transition pendant que CARICOM dit discussion yo a continué. Nous gen sou place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. CARICOM déjà voyé nos membres conseil présidentiel transition avec premier ministre démissionnaire pour suite légale. Yon proche collaborateur, Ariel Henry, confié mercredi à VOA Creole, ancien chef primatien qui trouvait dans Porto Rico depuis plusieurs semaines, prend engagement pour publier non sa yo dans le journal officiel Le Moniteur avant longtemps. Si tout allait bien, installation membres conseil yo capable fait plus rapidement possible selon sa source ça qui pas de nous citer fait connait conseil présidentiel là qui la donne désormais membres sa yo Edgar Leblanc fils Leslie Voltaire Marie Ghislaine Montpremier Fritz Alphonse Jean Laurent Saint-Cyr avec Louis Gérald Gilles
Et l'autre deux membres observateurs, c'est Pierre Raymond André et René Jean Jumeau. Siège Petite Dessalines a toujours été vacant pour le moment, avec discussion qui en cours sous façon pour régler question selon sa nous apprenne. Créer conseil présidentiel là, c'est youn, mais installer, c'est ça qui est plus difficile là. Et vrai problème yo pral vini avec sélection yon premier ministre ak yon président, selon diverses politiques qui a réfléchi sur question. Dans l'intervalle, protocole 17 octobre, yon regroupement parti politique déjà soumet représentant pa yo by CARICOM dans l'idée pour compléter conseil là. Depuis plusieurs semaines, gang Ameo lancé assaut contre diverses institutions publiques ou privées dans la capitale haïtienne. Gang yo tué, brûlé et puis allé à toute sa rejoindre sous passage sans crainte. Dans la foulée, unité spécialisée police nationale d'Haïtien a tenté repousser yo dans certains endroits, mais résultat semblait pas pour demain. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et parce que nous avons un leader droit monde qui souhaitait que la communauté internationale là courir vite aider peuple haïtien qui a fait face à une grosse crise. Renan Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Dans le moment où le pays d'Haïti a fait face à une crise socio-économique, crise humanitaire, grand goût et chômage, côté même la banque PACA fonctionnait à cause d'insécurité et instabilité politique. M. Anel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense droit monde, exhorte la communauté internationale là pour venir en aide à peuple haïtien pressé, puisque selon M. Rémy, conseil présidentiel qui est formé pour installer dans le pays, pas légal ni constitutionnel, il pape dans l'intérêt du pays d'Haïti. Puisque nous avons dans le Caraïbe là, nous pas un pays isolé, et ça fait nous dit, faut que la communauté internationale dégage et réagir rapide. Pour porter soutien ensemble avec nous, parce que nous ne sommes pas capables. La police a fait effort, c'est vrai, mais la police n'est pas capable pour tout. Dans ce sens, moi, exhorté que nous mesure, une décision prend à plus grande échelle pour supporter le peuple haïtien. Conseil présidentiel va le venir, mais conseil présidentiel n'est pas dirigé pour lui. D'ailleurs, son conseil présidentiel qui parle de facto. Son conseil présidentiel qui parle basé sur la loi. Son conseil présidentiel qui n'est pas essentiel dans le monde pays. Par aucun côté, conseil présidentiel ça n'est pas basé dans la Constitution. Moi-même, comme avocat, je suis obligé de veiller à cela. M. Anel Rémy pose une question pour demander est-ce que même conseil présidentiel a capable de serment devant juge pour cassation, sous qui base, en vertu qui article dans la Constitution, il plaide en faveur d'un seul personnage parmi sept membres pour capable régulariser la situation. Est-ce que l'IPAP vient un coût économique pour le pays? Est-ce que l'IPAP va affecter les dépenses de l'État? Est-ce que l'IPAP va avoir un impact sur les dépenses de l'État, sur la caisse de l'État? Pour qui ça? Alors, c'est position nous comme avocat. Pour qui ça, dans le temps conseil, ça, il n'y a pas un choix final. C'est-à-dire 5 mois ou 6 mois, on met ensemble, on dit bon, n'a pas résigné nous, n'a pas désigné nous un seul monde. C'est-à-dire, son effort est titanesque lié, mais il faut le faire pour le bien du pays. Pendant ce temps, conseil présidentiel transition capable d'installer incessamment, selon information, rester quelques formalités pour remplir, tant que publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non personnalité qui fait partie entité ça. Renan Toussaint, pour VOA Creole. Nous avons toujours dans le pays d'Haïti et nous parlons de Kafoufeu côté yon et soi-disant chef gang recevoir un gros accueil dans la population qui et yon même gen occasion retourner la caillou. Valérie Saint-Louis gen détail sur point ça. Chef gang qui te fait sauver la prison principale Port-au-Prince là, t'es relé partisans liyo hier mardi 19 mars là, puis reprendre contrôle commune Kafoufeu là que yon te perdu devant yon autre gang ennemi liyo après arrestation. Ezekiel Alexandre fait connaître que les retourner dans Katilia et la population tout doit retourner. Je vais être avec quelqu'un qui a déchiré. Je vais être dans la case. Je vais être dans le petit monde. Avec tout le hôpital, je vais être dans la case. Mais je me dis, avec les assurés là, c'est garder moi qui j'ai la population qui a tourné la caille. Mais on connaît, c'est un bail qui est facile, le gars du jour au demain. Mais on connaît, avec support population, Ezekiel Alexandre est sauvé dans la pénitentiaire nationale là dans commencement mois ça. Il était joué à l'arrestation dans mois juin 2022
dans commune Kafoufeuille là pour soi-disant participation li dans acte coup touyer moun possession zama feu illégal viol ak vol armé. Pendant li retourner dans zone là, Ezekiel Alexandre te débarqué à la tête du foule moun qui était en vie retourner la caillou après que gang Tilapio te fait au courir chapé pour yo et dépossédé yo de caillou. Aujourd'hui on là me content parce que me tourner Kafoufeuille c'est grâce avec Ezekiel Alexandre. Parce que je ne peux pas piler, j'ai une série de zones, je ne peux pas piler. Mais si on pile la journée aujourd'hui, nous piler, on est fait grâce avec lui-même qui fait nous piler. Ezekiel Alexandre, un soi-disant chef gang qui était sauvé dans la prison, retourné à l'époque à Tika Foufeuille, avec un full monde qui a décidé de nettoyer la zone de deux bandits et Fatra. Les gens peuvent retourner vivre la caille. Après visite de la zone, la population connaît, retourner pour retourner la caille. Pour venir réparer Kaili, parce que quand il y a un dormi là, il y a un pas bon. Vous comprenez, l'école crasée, tout le monde qui est capable de craser net. Mais vous connaissez, il n'y a pas qu'à faire un gros point. C'est dialogue, les qui crasent les zones là, comme Chita avec eux, Chita avec eux déjà, comme vous êtes, mais Chita avec eux. Et vous avez un téléphone intelligent là, mais vous avez une population. Vous connaissez, vous retirez quand vous avez une zone de population capable. N'a pas rappelé que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a annoncé semaine passée que le temps démissionné une fois que le conseil présidentiel là, qui a 7 membres la donné, qui est capable de voter, à deux observateurs qui sont dans différentes coalitions politiques et secteurs dans la société, t'a va mettre en place. Pendant ce temps, capital pays a été paralysé avec plusieurs nouveaux attaques qui étaient faites, tant qu'on dit fait dans la prison principale là, qui quelques jours avant ça, ont été prisonniers sauvés, avec tout résident Sky privé chef police nationale là, que bandits ont été attaqués et mettaient différents la donne. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis, New York. Merci Valério Saint-Louis. Dans l'actualité internationale, là, c'est toujours guerre Israël-Hamas qui a continué et qui domine l'actualité internationale. Là. C'est comme ça, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé jeudi mercredi dans l'Arabie Saoudite pour première étape, sixième voyage dans la région Moyen-Orient depuis guerre Israël-Hamas a commencé. Objectif li, c'est une autre fois encore, c'est joindre cessez-le-feu. Chef diplomatie américaine qui vient pour visiter Israël vendredi, Kavina, dans un moment où il y a une grosse tension entre la Maison-Blanche avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Eh bien, chef diplomatie a visité Israël vendredi et l'a bien pour faire un stop tout dans le pays Égypte, côté que. Objectif la clé, c'est joindre yon cessez-le-feu pour capable et camper détérioration qui gagne dans la région Gaza qui fait face à une crise humanitaire sans pareil. Toujours dans l'international là, et actualité concernant les États-Unis, deux tribunaux différents ici aux États-Unis rendent jugement différent sous loi État Texas qui mette en place contre immigrants illégaux. Yon reportage, Serge Rodriguez. Hier mardi, le Supreme États-Unis, qui s'est pris au tribunal pays, a rendu un verdict pour permettre l'État Texas de mettre en application loi qui visait considérer comme un crime action migrant qui a jambé frontière États-Unis partagée avec Mexique là illégalement. Mais on l'a jugement et un coup d'appel rendu sur le dossier jeudi mercredi 20 mars la même, question en prend une autre direction, puisque les policiers de l'État Texas n'ont pas le droit encore pour arrêter les suspects qui entrent sur le territoire américain sans papier. Ingrid Legal, ça, c'est un bagage qui était en main depuis le mois de décembre passé, soit un petit bout de temps après le gouverneur d'État Texas, Greg Abbott, a signé une mesure controversée pour criminaliser les migrants qui ont débarqué ici aux États-Unis sans autorisation. M. Abbott précise la Constitution en bas le droit pour passer à l'action. Moi, j'ai utilisé un article dans la Constitution qui a été le droit pour défendre tête. Le gouverneur de Texas a fait connaître l'État de diriger a besoin de loi du fait que le président Biden n'a pas appliqué la loi fédérale pour empêcher les migrants d'entrer et réentrer sur le territoire américain, concernant la guerre de Texas dans la nécessité pour défendre tête. Pour bien dire, la loi immigration de Texas a menacé pour mettre illégal dans la prison pour 20 ans. Sous bon parler, l'administration président Joe Biden a lancé une action en justice pour bloquer la loi sous base que l'on violait la Constitution des États-Unis avec la loi fédérale de ce que l'on empiété sous pouvoir gouvernement fédéral là qui a un seul droit pour régler la question immigration. En tout cas, le ministre des Affaires étrangères pays Mexique, Alicia Bárcena, a abordé de ces brûlants ça. Qui ça nous a fait pour contrecarrer causer négatif ça? Nous ce qui est important, c'est dire que nous possédons une stratégie sous mobilité humaine, Mexique est un modèle unique qui peut exister dans aucun autre pays. Un modèle qui est basé sur pays d'origine, lieu de transit, lieu de destination et date de retour. Modèle ça, c'est modèle panneau. Ministre des Relations extérieures mexicaines, Alicia Bárcena, a qualifié loi État Texas là comme une approche anti-migrant, mais qui a créé ça pour les gens qui sortent dans les pays étrangers.
Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Rodriguez, n'a pas retourné dans réaction sous crise qui a traversé pays d'Haïti et nous parlons dans pays Brésil côté que communauté haïtienne yo même tout yo gain réaction sur ça qui a passé dans pays d'Haïti et n'a joindre Chelsea Jean-Baptiste depuis Brésil. De jour en jour, situation pays d'Haïti a fini pi mal à cause d'un guyo qui passe spawn crasé brisé. Ça qui si l'on haïtien qui a vécu Brésil, pas fait fierté haïtien devant notre nation. Parce que moi-même qui là, Brésil, je me sens mal à l'aise, je me sens bien. Comment on peut imaginer? Il y a des images, les cités haïtiennes, c'est vraiment qui a vécu pendant le Brésil là, il n'y a pas de problème. C'est là, il y a un blanc, il y a un brésilien, Abdou, mais ça a passé dans le pays. Là, on sent tout un problème, on sent tout humilié. Pour ça qui a un rapport à l'autorité qui a bien pour assurer la transition, implication communauté internationale là pas nécessaire. Si nous voulons croire, quelques haïtiens qui ont réagi dans le micro VOA Creole. Ça veut dire que c'est CARICOM, nous parler de corps groupe là, qui est là dans plusieurs pays, entre les États-Unis d'Amérique. Nous essayons même de prendre des décisions de qui est monde qui doit président, c'est eux qui établissent les critères. Mais c'est pendant c'est nous-mêmes, entre nous-mêmes haïtiens, qui savent dire qu'il n'y a pas de peine en Haïti, qui n'y a pas de aucune peine en Haïti, qui est arrivé sénateur de la République dans le pays qui a un casier judiciaire, qui a un certificat de bonne vie, mais c'est très net. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pression étrangère pour faire pas occuper quel que soit poste là. Mais nous avons appuyé inconditionnel avec le sénateur Maurice Jean-Charles, qui est le leader du regroupement Petite Dessalines, qui va position avec trois mouns qui vient parmi la famille au sénateur Guy Philippe. C'est pas vraiment Guy Philippe qui solution, non? Vous qui m'aimez avec vous, nous commençons à avancer plus devant. Choix que nous besoin dans le moment là, c'est choix de conscience, c'est choix de sentiment, c'est choix de caractère, c'est pas choix nous parler quitter moun. Je vais t'amener nous. Nous-mêmes, lorsque nous parlons, parler selon Yodi, Blanc Yodi. Faut que nous dit jusqu'à présent, il y a un pile d'autres sur ça qui a rapport avec mission conseil présidentiel transition 1. Chesley Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley. Et puis hier, c'était fête Saint-Patron, Villefort-Liberté, fête Saint-Joseph. Et nous pourrons rejoindre, et Jodley Junior Saint-Ville qui pourrait parler nous plutôt de en mise à jour sur le canal là. Travail construction canal irrigation rivière Massacla, c'est un signe vivant qui montre haïtien capable sauver agriculture pays d'Haïti parce que nous gain trop de l'eau cap gaspiller qu'elle tomber dans la mer. C'est avec parole ça yo, ingénieur Claude lui, commencé une interview li té bay VOA Creole pendant nous t'al visiter travail construction canal sous rivière Marion en aval. Paysan dans zone malfiti yo commencé fouiller. Selon ingénieur Claude lui qui poté expertise li dans construction canal ça, l'est arrivé pour nous mettre de l'eau cap gaspiller en valais. L'eau ça, c'est lui-même, on était capable de dire qu'il avale Marion, travail que le président Jovenel a fait. C'est avale. Mais cependant, l'aide de l'eau arrivée là, ils font dispatch. Ils distribuent pour Concolette, ils distribuent pour Gat Saline et ils distribuent pour Jean Pantalon. Qu'en après depuis longtemps que de l'eau ça yo c'est gaspillé yo a gaspillé qu'on y a nous-mêmes nous décider pour nous motiver pour nous capable mettre de l'eau en valeur et c'est parce que nous pour mettre de l'eau ça yo en valeur qui permet que nous vienne joindre KPR qui veut dire canal Pired et dans Malfetti. Pose la question dans qui niveau yo yé à construction nouveau canal ça dans Malfetti et qui groupe moun k'ap bay force courage yo là-dedans. Ingénieur Claude lui te répond comme ça. Exactement, du mois de novembre à jodi an, nous en phase de fouille et côté que nous té balion large et qui a passé à 1,60 m de large qui a passé à 0,80 cm. Pour que nous capables fouiller toute trajectoire de 7 km environ. Pendant que nous avons passé de 4,6 km. Que nous avons peuple en fouillé ensemble avec nous. Ingénieur Claude, lui, était tout profité, lancé un appel à tout haïtien pour porter contribution par eux dans la construction du canal Sahara dans Malfiti. Nous faisons appel à chaque grain haïtien qui a vive dans le monde là pour que nous capables avancer à travail là pour captage là pas spécialement et le comité a tellement organisé nous commencer recevoir ciment comité a gain recevoir ciment yo gain un bureau yo dépôt parce qu'il là pour recevoir
nous gagnons agronome Jonathan Cosmos qui c'est président, que n'importe monde qui veut bailler aide lui, l'a prélé dans 42 76 45 82. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Malfetti, commune Fort Liberté, pour VOA Créole. Merci, c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. Nous avons côté que nous avons mis à jour et hier c'était fête. Et Saint-Patron, ville Fort Liberté, qui c'est Saint-Joseph. Donc c'était célébration. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. Nous voulons remercier de façon spéciale Sibas, qui c'est n'est pas nous. Semblier Rob McLean, qui derrière. Et puis équipe solide VO Acréola, Gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abelard, Fred Kaimit, Jean-Robert Philippe, envoyé spécial nous. Trouvel en République Dominicaine. Moi, c'est Jacques Nabélisa qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous.